au 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Adoptée le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais de Chaillot, où siégeait l'Assemblée générale des Nations unies. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Pour que la jouissance des droits cesse d'être un slogan, mais que cela devienne une réalité, et dans les mentalités et dans les faits. Les droits de l'homme sont les droits de tous, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'opinion politique, de langue. L'enjeu international que constitue l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme nous a incité à mettre à l'honneur des défenseurs des droits de l'homme au Bénin en invitant les responsables de l'association béninoise ESAM, Enfants solidaires d'Afrique et du monde, qui a eu l'honneur de partager avec d'autres le prix 2007 des droits de l'homme de la République française. Les droits de l'homme, c'est pour moi, c'est paix, sécurité et développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en particulier au Bénin et dans les armées occidentales qui sont tournées vers le maintien de la paix, je crois qu'on se rapproche de la signification des droits de l'homme. On œuvre pour le développement et le développement ne peut se faire que dans la paix et la sécurité. Le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Le droit à la protection contre la servitude ou l'esclavage. Le droit à la protection contre la torture ou les traitements dégradants. Je pense d'abord au droit des enfants. Le premier droit des enfants, c'est d'être des enfants libres et éduqués. Mon enfant, penses-tu que Sylvie doit être entretenue comme si elle était ta soeur directe? Oui, papa. Dégage maintenant. Dégage. J'attends de t'éclipser. Papa. Les droits des enfants, pour moi, c'est la liberté des enfants. La maltraitance des enfants. Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique. Le droit à l'égale protection de la loi. Le droit à demander justice. Le droit à la protection contre les arrestations et détentions arbitraires. Le droit à une justice indépendante. La Fraternité des prisons du Bénin œuvre pour la promotion des droits de l'homme en général et des droits des personnes en détention en particulier. Et pour atteindre ces objectifs, nous menons des soins de santé primaires aux détenus, l'assistance judiciaire aux détenus et aux familles des détenus, la médiation entre victimes et contrevenants, la lutte contre l'illettrisme et l'oisiveté par le développement des activités formatrices et génératrices de revenus pour préparer les prisonniers à la réinsertion socio-économique après leur libération. Le droit à la présomption d'innocence. Le droit au respect de la vie privée. Le droit de circuler librement, de choisir son lieu de résidence. Le droit de chercher asile. Le droit d'avoir une nationalité et le droit d'en changer. Le droit de se marier librement. L'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage. Le droit à la propriété. Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le droit d'en changer. Le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Un
homme qui n'est pas libre n'est pas un homme heureux. Donc les droits de l'homme, je pense que c'est une loi qui a été dite pour permettre à tout le monde de connaître ses droits par rapport à la loi. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique parce que sans les droits de l'homme, les gens allaient être plus opprimés que ça. On sait que les droits de l'homme ne sont pas toujours respectés, mais quand même, comme c'est écrit noir sur blanc, ça permet des fois de réclamer des droits qui nous reviennent de droit. Le droit à la liberté de réunion, d'association pacifique. Le droit de participer aux affaires publiques, aux élections, le droit au suffrage universel. Le droit à la protection sociale. Le droit au travail. Le droit syndical. La protection contre le chômage. Le droit au repos, aux loisirs et aux congés payés. Le droit à un niveau de vie suffisant. Le droit à l'éducation. L'éducation élémentaire doit être gratuite et obligatoire. Le droit à la culture. L'ordre international doit partager l'exercice des droits. Seule la loi peut limiter les libertés. L'individu a des devoirs envers sa communauté. Les actes visant à limiter les libertés sont interdits lorsque la loi ne s'y oppose pas. C'est avoir le droit d'avoir un travail, une maison et d'habiter quelque part. Parce que si on n'a pas de logement, on est rejeté de tout le monde. Voilà. L'ambiance fraternelle et conviviale dans laquelle se déroule cette célébration témoigne de l'affinité et des profonds et solides liens d'amitié et d'estime qui unissent les peuples béninois et français depuis si longtemps.